Bonjour à tous, aujourd'hui je viens de recevoir un colis de Gimme Magic. Pour rappel, Gimme Magic c'est un site web internet du créateur Michael Châtelain. Donc avec vous, je vous propose de faire le déballage. C'est parti. Alors, déjà rien que la boîte, c'est déjà assez lourd. Pour rappel, j'ai remporté les 52 tours, donc l'intégralité du site de Michael. Donc allons voir, c'est parti. Alors, je commence à ouvrir. Hop, 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 hop. Voilà, proprement. J'ouvre bien. Super. Et là, tout va bien. Oh, des confettis. Ça commence. Ça, c'est bien. Déjà, le paquet est super bien emballé. Vous voyez, bien protégé. Ça, c'est génial. Donc, bon, à la bonne franquette, hein. On va les retirer. Ouh, ça y est, ça commence. Qu'est-ce qu'on voit là? Oh là 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 là. Hé les gars. Oh là là, c'est impressionnant. Impressionnant. Qu'est-ce que je vois? Déjà, ça y est. Ah, le premier. Hup. Alors, je sais pas si vous connaissez. Alors, Hup, c'est quoi? Hup, c'est quoi? Donc c'est du créateur Michael Châtelain. Je sais pas ce que c'est ça. Je regarde. Hup. Je sais pas. Ah, je sais pas du tout. Alors je vais les mettre là. Hup. Ah. Number Round. Ah, je sais pas si vous vous souvenez du Number Round. C'est un effet où il me semble où la carte on fait choisir une carte. Et c'est pas la carte qui a été choisie par le spectateur. Et par un effet de snap comme ça, je crois que la carte elle change. Je crois que c'est un effet comme ça, number ground. Ouais, à voir. Que je connais pas tous les effets encore. Ah, twister card. Ah, ça. Alors, twister card, welcome new officiel, nanana. Twister card, twist de carte. Une carte signée se retourne à vue entre vos doigts. Waouh. Ça, faudrait que je regarde, que je vous le fasse aussi. Hein? D'ailleurs, ce que je vais vous proposer, c'est de me dire quels sont les tours de Michael, dont je mettrai le lien, vous pourrez voir sur son site tous les tours qu'il a. Quels sont les tours que vous voulez voir en premier dans ma vidéo. Comme ça, je ferai la vidéo, je vous dirai ce que j'en pense. Et voilà. Donc, reset de carte, visual clean amazing, du créateur Michael Châtelain. Oh là là. Donc c'est bien, il y a tout, là, il se pique, d'accord, très bien, super, hein. Travel, c'est celui-là, je connais pas du tout, alors peut-être qu'il y en a qui connaissent Travel, mais je vous le ferai parce que ça m'intrigue, parce que je me suis toujours posé la question, c'était quoi comme effet? Une carte est sélectionnée et voyage in front of your spectator. Ok, yes, super. Oh là là. En plus, ce qui est bien fait, c'est que, bon, je vous montre pas le verso, c'est que je vois tout, en fait, tout ce qui a été livré derrière. Donc, je peux pas vous le montrer pour le moment. Voilà. Je vous montre juste... alors là, j'étale comme ça pour que vous puissiez quand même voir un peu ce que j'ai. Voilà. Qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? Ah, alors là, pour moi, alors voilà, contrôle. Ça, je vous le montre. Contrôle. Pour moi, contrôle, c'est le must. Franchement, si vous avez un tour à acheter tout de suite, c'est contrôle. Franchement, je l'ai fait depuis... Oh, ça fait depuis qu'il est sorti. Hein. Je l'ai dû le faire au moins une vingtaine de fois. Franchement, l'effet à chaque fois sur le spectateur est du béton. Franchement, c'est sensationnel. N'hésitez pas. D'ailleurs, je l'ai jamais fait encore en vidéo. Je vous le ferai en vidéo. Franchement, ça alors là, contrôle, yes. Painting Quad, franchement. C'est une prédiction qui change. C'est une prédiction qui change pour faire disparaître une carte. Enfin, alors ça doit être un bijou. Ça, je vous le ferai. Alors ça, par contre, je connais pas du tout. C'est Gimmick Magic qui propose le tour Pasque du créateur. Un tour de pièces, apparemment. Clever Method, Simple et Genius. Alors je ne sais pas ce que c'est ça, mais je le ferai. Ah, QR code, si ça vous connaissez tous, QR code.
Hein, la carte est choisie et hop, il y a un petit effet, je sais pas si on peut le montrer. Voilà, c'est un petit objet comme ça. Voilà, vous scannez avec votre smartphone et hop, la carte de prédiction, ben c'est celle que vous avez choisie. Ça, c'est vraiment un truc béton. Ça, vous pouvez le faire aussi bien en close-up partout. Enfin, franchement, ça, c'est à voir aussi. Voilà, ça, c'est bien. Il y a quoi ça? Alors, Paradox. Attends, je vais ouvrir bien pour que vous puissiez bien voir. Alors, ça, c'est quoi Paradox Card? Ok, ok. C'est une superbe illusion, apparemment. Avec un trou dans la carte. Alors, ça, c'est. Ouais, je verrai. Bon. Peut-être que vous connaissez, hein, vous m'en parlerez. Tornado. Alors, la boîte qui va vous faire tourner la tête. Ça, ça doit être un truc de la mort, ça. Tornado. Ah, ça, je le ferai, ça aussi. Hein, mais n'hésitez pas, si vous avez. Allez sur le site. Dans la description, je vais vous mettre tous les liens du site de Mickaël. Tout ce qu'il fait, les promotions, les chèques cadeaux, les événements à venir pour lui et tout ça. Donc n'hésitez pas à aller sur son site et si vous voyez un tour en particulier que vous voulez acheter, mais avant que je vous le fasse, il n'y a pas de souci. Vous me le dites dans la description et ça sera fait. Influence, le tour influence. Il y a le tour influence. Tour influence, ça me dit quelque chose, Mickaël, ça. C'est bizarre. À voir, influence. Ah, M15, qui ne connaît pas M15? Un best-seller, ça. Un best-seller, M15. Franchement, ça aussi, c'est un tour à avoir. Parce qu'avec cet effet, vous pouvez combiner plusieurs autres effets. Enfin, j'en dis pas plus. Quand vous l'aurez, vous comprendrez. Vous pouvez faire plein de choses avec M15. Et voilà. Alors, le tour bluff. Apparemment, les enfants, ils adorent. Les parents croient comprendre. Au final, tout le monde est bluffé. Alors, bluff, voilà, bluff, ça c'est un effet à faire aussi, bluff. Double impact, ah, on se croirait du Jean-Claude Van Damme, c'est double impact, double impact. Ah, il y a vraiment des effets que je découvre, Mickaël, là, franchement, à voir. Jet, c'est quoi? Jet, je vous montre, jet. Alors, ok, je vois. Super, ça aussi c'est un effet que je vais m'amuser à faire. Alors, Bill Flash, ah, celui-là, Mickaël, je l'attendais celui-là. Que ça, c'est vraiment un effet qui est très sympa. Ah, comme son nom l'indique, c'est un flash. Alors, je sais plus si c'est le billet qui devient une carte ou c'est la carte qui devient le billet. Enfin bref, c'est ça, l'idée c'est ça en fait. Ça, franchement, ça va être très utile pour moi, ça. Très sympa. Ah, encore un Big Flash. Ah, oui, c'est le reverse, d'accord. Et ça, c'est le Big Flash Card. Voilà, le Big Flash Card. Ça, ça doit être un effet vraiment béton, ça, en clover. Très, 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 très bon. Alors, nous avons, dans ce paquet, 6 effets à faire de magie. Donc, avec tout ce qui va bien avec. Oh là 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 là. Ça, je l'avais vu, c'est hier. J'avais été sur ton site, je l'avais vu. Ça m'intriguait, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors ensuite, le change de carte le plus visuel du monde, In-Air. Alors In-Air, effectivement, c'est un effet très flash. C'est... Ouais, ça je vous le ferai aussi, c'est génial. D'ailleurs, je vais tous les faire, je ne sais pas combien il y a de tours exactement, mais j'ai l'impression qu'il y en a plus que prévu, enfin, je regarde. Cell Impact, alors Cell Impact, je ne sais pas ce que c'est. Alors Cell Impact, c'est... C'est le morphing d'une carte devant les yeux des spectateurs. En gros, c'est le changement d'une carte. Un effet très visuel, quoi. Ça m'intrigue, ça, c'est intéressant, nickel. Alors, ensuite, on a métamorphose. Métamorphose. Oui. Alors, je crois savoir. Je crois que c'est une carte qu'on dessine, on fait une prédiction, on dessine une carte est choisie par un spectateur, mais la prédiction ne correspond pas à sa carte, c'est ça? Je crois que c'est ça. Et après, il y a un petit mouvement magique, et la carte qui a été dessinée en guise de prédiction, eh bien, c'est celle du spectateur. Métamorphose. Ah, franchement, ça doit être un effet vraiment qui tue. Ah, fantôme. Aïe, aïe, aïe. Alors, fantôme, je vous le montre.
fantôme, ah, on voit rien du tout, mais alors fantôme, c'est très visuel, c'est clean, c'est formidable, quoi. En fait, si, fantôme, c'est quoi? C'est voler l'âme d'une carte devant vos spectateurs. Franchement, ça, je crois que je vais m'empresser de l'ouvrir et regarder ce que c'est. Ah ouais, celui-là, c'est vraiment béton. Ensuite, on a quoi? Finger. Finger, d'accord, ta-ta-ta-ta-ta. Alors, Finger, c'est... C'est un effet qui est sorti en 2016. Apparemment, il a fait un tabac parce qu'il y a même des commentaires de Jean-Pierre Valerino dessus, Bernard Willis. Ouais, même Bernard, il dit que c'est un super coup 2016. Foncez, quoi. Franchement, il n'y a rien à dire. Flashback. Waouh. Flashback. Je ne sais pas ce que c'est, mais alors flashback, ça, c'est à voir. Flashback. Oh là là, mais c'est impressionnant tout ce qu'il y a. Et puis c'est pas fini. Et c'est pas fini, les gars. Et super hall. Et super hall. Donc ça, je pense que certains connaissent. Hein, c'est un effet. Vous avez. Je vais vous montrer plus par là. Donc vous avez un jeu de cartes. Il y a un trou dans le jeu de cartes. D'accord. Et puis je crois qu'on peut soit faire déplacer le trou ou rentrer, je sais plus, enfin, qu'est-ce qu'ils disent exactement, super effet, bah écoutez, le mieux c'est que je vous le fasse, hein, d'accord, ça va être plus clair. Ensuite, on a quoi? La cigarette à travers la carte. Ah, ça c'est un classique de la magie, mais revisité par Michael, donc ça, ça doit être excellent. Ça, franchement, ça doit être excellent. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons la carte zigzag. La carte zigzag. Et ça aussi, c'est sympa. Ça, hein? Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont aimer ça. Ça, je vous... Alors, je vous montre pas derrière parce que, voilà, donc, il y a tous les secrets. Donc, je vous le ferai plus tôt, ce sera plus sympa. Voilà. Ah, Matrice. Matrice 2. Ah oui, parce qu'il y a eu deux versions de Matrice. Oui, c'est ça, ouais. Matrice 2. Hein? Ça, je vous le ferai. Donc ça, c'est... en gros, c'est... on montre une carte, d'accord? Et sur cette carte, il y a un trou, d'accord? Que on déplace visuellement. C'est un effet vraiment très killer, en fait, hein, au final. Hein. Ensuite, nous avons Tree Fly. Alors, Tree Fly... je ne sais pas ce que c'est. Tree Fly, Tree Fly... Excuse-moi, Michael, je connais pas tous tes tours, mais franchement, là, j'en découvre énormément. Surge. Un effet télékinétique. Time Bond, comme il dit. C'est visuel, c'est clean, c'est... Oh, en plus, c'est un DVD, mais c'est nickel, ça. Ouais, il y a carrément le DVD, quoi. Franchement, là, c'est de la bombe. Et Michael, franchement, avec les DVD, c'est de la bombe. Moi, j'aime bien. Ça fait plaisir. Maintenant, on en voit très peu les tours avec des DVD, mais alors celui-là... En plus, c'est en français et en anglais, mais... Voilà, quoi. Non, c'est propre. C'est propre. Je crois que je vais m'éclater avec celui-là aussi. C'est hot. Ensuite, nous avons quoi? Magic Sword. Une création de Michael aussi. Donc, alors, de quoi s'agit-il? Donc, j'ai l'impression qu'il y a encore un DVD à l'intérieur. Mec, elle est bien connue. Nananana. Se retrouver... Ouais, en gros, il me semble que c'est une version où la carte du spectateur se retrouve empalée sur un couteau, c'est ça? Non, c'est pas ça du tout. Non, pas du tout. C'est pas ça, c'est... Il y a une histoire de roi, de trèfle, d'accord, qui mystérieusement se retrouve empalée dans l'épée. Wow, il y a une histoire d'épée là-dedans. C'est pour ça que je disais empalée tout à l'heure, mais... Vous voyez, comme son... Bon... Je crois savoir de quoi ça parle, parce que tu l'avais déjà mis en vidéo sur ton site. Ça, je vais m'amuser à le faire aussi, je pense. Alors, Hall 2. L'impossible carte Pace True Card. Oh, ça doit être génial, ça. Alors, ce qui est étonnant, dans les trois derniers que je vous montre, il y a des DVD. C'est excellent, mais c'est... Moi, j'adore. Avec les DVD, j'adore. C'est un kiff. Alors, Mental Parano. Ça, je sais ce que c'est. Alors, Mental Parano, c'est, on va dire que c'est une prédiction qui est montrée aux spectateurs dès le début, d'accord? Une carte est choisie, sélectionnée, librement. Et à la fin, la prédiction du spectateur correspond... Enfin, ma prédiction correspond à la carte du spectateur. Ça, c'est génial. Alors, nous avons
Remind. Je sais pas si je le dis bien. Remind. Alors, du créateur Michael Remind. Je vous montre. Ça découvrir aussi. Je connais pas. Ah, ça c'est quoi? Le Mac Sandwich. Oui, sandwich. Yes! Sandwich. Un Mac Sandwich. Ça, je vais m'éclater. Encore un DVD. Oh putain, et encore des DVD. Ça c'est génial. Ça c'est béton ça. Le hall numéro 1, number 1. Yes, ça c'est la version numéro 1, toujours avec un DVD, c'est génial. Regardez, ça c'est un... Oh, ça c'est génial à faire. Mais il me semble que je l'ai déjà celui-là. Ou j'ai déjà fait... Non, je ne l'ai pas encore fait. Alors ça, faut le faire celui-là. Ça c'est génial, vous allez voir, c'est puissant. Vision. Vision. Alors, vision... Il y a quoi, ça, le Black... En plus, putain... En 2017, il y a eu une pénurie sur le salon du Blackpool parce que ça s'est vendu à une puissance, ça, c'est Vision. Eh oui, Vision. C'est un truc béton, ça, Vision. Waouh. Ça, je vais le faire aussi, j'adore ça. Ça, c'est bon, ça. Waouh, c'est quoi? Ah, carte Ribbon. Alors, carte Ribbon, ça, je vais vous le faire rapidement parce qu'en fait, j'ai vu ça en vidéo, c'est mortel. Non, c'est mortel. C'est... En fait, c'est une carte... Enfin, vous avez un jeu de cartes où tout le jeu est troué, en fait, au final. Et on met un ruban. Bien évidemment, au départ, avant de mettre le ruban, on fait choisir une carte librement. Et ensuite, on met le ruban. Et après, il me semble que, si je me souviens bien, la carte du spectateur se retrouve sur le dessus. Enfin, sur le dessus quand le jeu est montré au spectateur. Je vous ferai l'effet. Vous verrez, c'est béton, ça. Une valeur sûre celui-là aussi. Alors ça c'est quoi? La Trick Box. Oh non. Alors je vous montre pas parce que... Enfin si je peux vous montrer... Enfin juste vous montrer la petite boîte. Voilà. Pas plus. Voilà. Oh c'est génial. Sweet Box. Un effet bombe ça. Sweet Box. Tout le monde connaît je pense. Hein. Sweet Box. Oh là 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 là. Alors là c'est fort. Franchement, regardez la beauté. Jacket, livré en jaquette, avec tout le descriptif de Michael, écrit en anglais, mais très compréhensible. Oh là là, c'est du béton ça. Oh. Je pense que tout le monde connaît Ink, non? Plus DVD, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Bah tout ce qu'il y a, le nécessaire, hein, je ne vais pas vous l'ouvrir, mais il y a tout le nécessaire pour réaliser l'effet. Ensuite, nous avons quoi? C'est pas fini, Matrix. Hey, Matrix, et attention, livré toujours avec ce qu'il faut et le DVD, français, anglais, c'est génial. Franchement, Matrix, si vous l'avez jamais vu, allez voir sur le site de Michael, c'est la bombe. Matrix. Ensuite, mes amis, nous avons quoi? Mirage. Oh, Mirage, je connais. Alors, Mirage, je connais. Ça, c'est un effet aussi qui est très sympa. Hein. Alors, Mirage, ça... C'est au programme. Mirage. Alors, Watcher. Rapide, efficace, inratable. Et franchement, moi ce que j'adore dans les jaquettes de Michael, c'est qu'il y a de la couleur, c'est bien présenté. Il y a tout ce qu'il faut savoir. Et ce qui est bien dans les DVD de Michael, comme vous avez pu le constater, c'est qu'il est riche en informations. Hein, et si quand vous avez un souci, ben, n'hésitez pas à le contacter. Il n'y a aucun souci, il vous renseignera. Ça, il répond très vite en plus au message. Alors, nous avons après Visual Print. Non, Print. Ouais, ah oui, parce que j'ai vu Visual. C'est, ouais, d'accord. Impression automatique de cartes. Alors, c'est des cartes blanches qui s'impriment et se désimpriment sous les yeux de vos spectateurs. Et franchement, ça mérite une vidéo, vous croyez pas? Alors ça aussi, ça va faire partie d'une de mes vidéos. Ensuite, nous avons quoi? Et c'est pas fini. Ouh, mais je sais pas combien il y en a là, mais c'est de la folie. Cello. Alors, Cello, c'est quoi? Eh ben, c'est très explicite. Vous le voyez comme vous le voyez sur dans la vidéo. C'est une pièce qui est dans le cellophane d'un jeu de cartes. Alors, je sais pas si on voit bien. D'accord? Et qui traverse en fait le cellophane ou qui se retrouve derrière, il me semble, hein, c'est ça.
En fait, Michael, il explique que la méthode me permettra de faire passer une pièce de monnaie à travers n'importe quel cellophane. Paquet de cigarettes, paquet de chewing-gum, jeu de cartes, etc. Excellent. Franchement, ça, c'est des effets de cocktail, close-up. C'est pas bon, quoi. Ensuite, nous avons quoi? Qui ne connaît pas Exit. Franchement, vous connaissez pas les faits? Allez voir sur le site de Michael. Vous recherchez à Exit et vous regardez la vidéo. Franchement, est-ce que je peux vous expliquer en gros ce que c'est? Non, je vous le réserve. Non. Je vous le ferai. Tiens, je vais mettre ça comme ça. Puis voir. Voilà, c'est pas mal. Ouais, voilà. Il y avait celui-là aussi. Ouais, Matrice. Ouais, tiens, je vais mettre ça comme ça. C'est pas mal non plus. Ensuite. Ah, The LAN, c'est celui-là qui m'interpelle, The LAN. Je ne sais pas si vous connaissez The LAN. Hein, The LAN, c'est de quoi il s'agit? Oui, en fait, c'est un tour de magie avec un jeu de cartes et des gommettes. Apparemment, le spectateur, il sélectionne une carte librement qui est perdue dans le jeu et qui est confiée qui est confiée au spectateur. On sort une gommette, on la colle et en fait, voilà, on frotte avec le bout des doigts la gommette. Et elle disparaît. Mais lorsque le spectateur recherche sa carte, elle est collée au dos de sa carte. Et franchement, ça, c'est pas de la bombe. Ensuite, nous avons. Oh yes, encore un DVD. Number 2 de 6 effets magiques. Oh là là, mais c'est de la bombe ça. Il y a plein d'effets qu'on peut faire avec. In the Box, Melt, Tic-Tac, Gravity, Earth. Oh là là, mais c'est de la bombe ça. Ouais, franchement, en plus, là-dedans, je sais pas ce qu'il y a, mais il y a du matos. Je vois si je peux vous le montrer. Non, je peux pas vous le montrer. Mais je vous ferai les effets, mais franchement, c'est de la bombe. Ah, ici, superbe. Ah, ça, c'est un effet qui peut être très sympa en vidéo. C'est. Voilà, c'est l'effet du stylo. Hein, c'est le stylo bille qui change en crayon ou l'inverse. Ça, c'est franchement un truc très, très visuel que je me ferai plaisir à présenter. En vidéo, ça c'est génial. Ouais, open pen world, c'est génial ça. Ensuite, Alcatraz box. Il y a trop. En plus, ce qui est bien, c'est quoi là? C'est un packaging, il y a un CD, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Il y a 3 routines incluses dans ce DVD, mais c'est génial. Voilà, on peut faire un change de couleur, une carte ambitieuse, un change de jeu. Non, change de carte. Enfin, il y a plein de choses à faire là-dedans. Alcatraz box. Ça, c'est de la bombe, ça. J'aime bien ça. J'aime bien ce genre d'effet. Ensuite, nous avons Speed. Bon, bah, Speed, je pense que tout le monde connaît Speed, quand même. Speed, ça va devenir un classique chez Michael, ça, un classique. Alors, je vais pas vous en dire trop. C'est, en fait, le spectateur, il sélectionne une carte, qui la signe. Hein. La carte est perdue dans le jeu. Et on retourne la première carte. Je la montre recto verso. Je frappe au-dessus du jeu et avec celle-ci. Non, avec le. Je frappe sur le dessus du jeu. Voilà. En fait, en gros, la carte du spectateur apparaît à vue sur le dessus du jeu. Juste en tapant sur le jeu. Un truc de fou, quoi. Sélectionne une carte, elle est perdue, elle remonte à vue, quoi. On peut pas faire mieux. Hein. Donc, Speed, c'était. Ensuite, nous avons quoi? Escape, je vous montre, escape, c'est pas de la bombe ça, escape, celui-là en fait c'est, j'ai déjà préparé la vidéo qui sortira je crois en mai, vous allez voir, escape, bah, c'est de la bombe, tout ça, voilà, celui-là il sortira en mai, il est déjà programmé, parce que je programme mes vidéos longtemps à l'avance, eh oui. Et donc là nous arrivons au dernier et lourd, c'est Gun. Voilà, Gun. Alors Gun c'est quoi? De quoi il s'agit Gun? Eh bien c'est je sors un jeu de cartes et j'invite un spectateur à choisir une carte. La carte est signée et perdue vers le centre du jeu. Et maintenant je sors un petit pistolet et je tire sur le jeu. À vue. Le jeu devient troué.
je passe les cartes une à une et la carte du spectateur est intacte alors que le jeu entier est trouvé. Et franchement, ça, ça va être un régal à faire. Ben voilà les amis, et c'est fini, je vous montre, il n'y a plus rien. Voilà, c'est fini. Franchement, alors là, j'enlève tout ça. Et j'étale, mais franchement, ça, c'est la boutique Guillemets Magique que vous allez retrouver, tous les tours que vous allez retrouver. Ils sont tous là, là. Et c'est... Merci Mickaël, merci Elodie, franchement, c'est un très beau cadeau. J'ai du taf quand même. Hein. J'ai du taf parce que là, je vais tous les ouvrir, les éplucher, prendre mon temps, bien étudier, adapter aussi. Parce que moi j'aime bien quand je reçois un... Parce que quand vous recevez un tour, en fait, il faut savoir que vous avez que la matière brute. Et moi j'adapte, j'aime bien adapter de façon à donner une personnalisation déjà à l'effet et puis connaître les possibilités de l'objet en lui-même. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous voulez que certains tours soient passés avant en vidéo, et ben dans la description en bas, vous mettez le nom du tour. Et puis je ferai une liste, parce que bon, si vous êtes 100 à me demander des tours différents, ben je ferai des sélections. Mais en tout cas, tous les tours que vous avez vus aujourd'hui sur la table seront mis en vidéo et je donnerai mon opinion et tout ça et tout ça. En tout cas, je remercie encore une fois Guillemets Magique, la société du créateur Mickaël Châtelain, pour ce généreux cadeau. Je suis très ému quand même, parce que c'est vrai que c'est la première fois en France qu'un magasin de magie fait ça. Et ça, je tenais vraiment à vous remercier encore mille fois. C'est vraiment très généreux de votre part à vous deux. En tout cas, merci à tous de m'avoir regardé. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tour de magie. Allez, bye bye, au revoir. By my window, hits my chest right in the morning.